Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais ouvrir et vous faire découvrir ce deck commander de l'édition Tooth Firection. Donc c'est un deck influence corruptrice qui est blanc, noir et vert et donc ça contient aussi un booster collector échantillon plus, donc c'est pas mal parce qu'il peut y avoir des cartes très sympas, très cotées de l'édition. Et donc je vais ouvrir ce deck et on va découvrir les cartes ensemble. Et comme je le fais à l'habitude, vous découvrirez aussi une vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture. Ça s'adressera aussi à tout le monde, aux collectionneurs et aux investisseurs. Je vous dirai exactement les cotations des cartes de ce deck comparées au prix d'achat, bien évidemment, qui est autour d'une quarantaine d'euros. Hop, je prends tous les produits qui sont à l'intérieur. Alors, il y a le petit booster. Donc, hop, on a cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on a? Ce compteur de points de vie. Hop, que je vais mettre dedans. Ce petit fascicule à l'édition du deck. Influence corruptrice. Bon, il y a toujours des petits fascicules avec des informations sur le deck. Qu'est-ce qu'on a? On a alors le deck. Ici, on a des jetons avec la carte commandeur. Donc, je vais commencer par ouvrir cette petite partie. Hop. Avec XL Sion d'Atraxa. Donc c'est une carte qui a un coût de 4 mana, dont un blanc, un noir et un vert à 2 d'attaque, 5 de vie, vol, vigilance et toxique pour 2, corrompu. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison exile la carte du dessus de sa bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Voilà, donc ça c'est, hop, le commandeur. Alors c'est la carte, il y a une carte qui est en version cartonnée, puis aussi on a des jetons. Alors on a jetons poison, Phyrexian avec cuivre, Phyrexian épuce, épice au recto verso et insecte, Phyrexian avec insecte, Phyrexian avec aurore, pet. Voilà, c'est des jetons recto verso que je vais mettre ici. On a donc ce deck, hop, je vais l'ouvrir. Alors là c'est, bien évidemment, il va être basé surtout sur du, on va le voir, blanc, du blanc, du vert. Et puis du noir, hein, comme on a vu. Je vais peut-être enlever les terrains. Hop. Sur les terrains, je reviendrai dessus vers la fin de la vidéo. Alors les incolores, il y a des cartes incolores qui reviennent régulièrement, hein, les amis. On les retrouve à peu près dans tous les decks. Hop. J'enlève les terrains. Je pense à Sol Ring ou des trucs comme ça, des cartes comme ça. Voilà. Hop. Tous les terrains qui sont là. Ça, c'est une carte de publicité. Et donc, XL Sion d'Atraxa, la carte commandeur. Et il y a l'autre carte commandeur qui est ici. C'est Vishgraz, l'essaim de la mort, qui a un coût de 5 mana, dont un blanc, un noir, un vert. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Et une menace toxique pour un. Les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi un marqueur poison. Et quand Vishgraz, l'essaim de la mort, arrive sur le champ de bataille, crée 3 jetons de créatures artefacts, un incolore réaction et plus avec toxique pour 1. Et cette créature ne peut pas bloquer. Vishgraz gagne +1/+1 pour chaque marqueur poison que vos adversaires ont. Donc c'est vraiment une carte très très forte. Très très forte, très très forte. Hop, on va aller mettre les terrains en dernier. On va voir après. Alors j'aurais pu trier les cartes par couleur. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant. Bon, je vais les prendre dans l'ordre de ce que c'est. Et puis, je vais peut-être en premier ouvrir le booster collector qui est à l'intérieur. Donc, normalement, il y a trois cartes. Enfin, il y a deux cartes légendaires extra, on va dire. Je ne sais pas dans quel ordre elles sont. On va voir ça tout de suite. Puis ça, je vous dirai aussi leur valeur dans la vidéo d'analyse et de stats. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, allez, en premier, la rare frappe de force de frappe chassiel. C'est une extra, bah c'est ça, je pense que c'est du commandeur, extra commandeur. C'est la numéro 31, quand on voit le logo, c'est du commandeur. Ici, bon, carte qui ne sert à rien. Et la deuxième, tac, oh, Skrige Ganerdos. Alors c'est une commune extra en version foil. Bon, c'est des cartes qui sont pas très cotées. Celle-là, je sais pas trop, c'est une extra commandeur, donc ça, je sais pas trop. Ça, je vous le dirai dans la vidéo d'analyse et de stats. Et c'est parti. Alors là, on va commencer par les cartes. Alors, toutes les cartes de ce deck avec Maître de Chapelle de Norn, coût de 5 mana, dont 2 blancs à 5 d'attaque, 4 de vie, vol et initiative.